Salut, moi c'est Maëva et je suis hôtesse de l'air. Vous connaissez peut-être déjà sûrement George Dog qui est notre tiny van aménagé avec qui on est parti en road trip dans les Dolomites en juillet 2021, puis sur les routes hollandaises et danoises en septembre. Vous m'avez peut-être déjà vu sur YouTube pendant notre bivouac sur le GR20 Sud en Corse. Et quand j'ai créé cette chaîne YouTube en 2019, j'avais un rêve qui était de devenir hôtesse de l'air. Ce rêve est devenu réalité cette année 2022 et je vais vous emmener avec moi dans les nombreuses villes que j'ai pu visiter cet été grâce à ma compagnie. Alors si cette aventure te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Après le Airbnb, on a été manger une glace au meilleur glacier apparemment de Venise qui s'appelle Suzo. Donc moi j'ai pris une glace à la mangue. C'était quoi déjà? Oui, mangue, pamplemousse et tiramisu. Et Bastien il a pris framboise chocolat, enfin c'était framboise nappée de chocolat et citron biscuit. Mais très bon, mais le mariage pas forcément. Ah ouais. Par contre là je crois qu'on arrive sur une rue qui nous dévie. Oui. Ça arrive souvent à Venise, en fait on arrive au bout d'une rue et puis en fait c'est l'eau. Par là. Donc on fait demi-tour. Et la boisson de Venise c'est le Spritz, du coup on a pris un à emporter. Enfin façon, parce qu'en fait sur la place San Marco, la place principale, c'est hyper cher. Enfin normal, tous les restos et toutes les boissons et tout c'est hyper cher. Donc nous on a marché, on a pris des Spritz à emporter au canal et c'était 3,50€. Voilà, et c'est super bon. Et ensuite on a fait de la gondole, donc c'est mon cadeau d'anniversaire de Bastien. Donc on a fait de la gondole, en fait c'est une demi-heure, il y a plusieurs tours différents. Donc c'est 80€ le tour de une demi-heure, donc voilà, c'est un peu cher mais en gros ça vaut le coup. Donc il y a une seule entreprise qui fait tous les tours de gondole, donc en fait c'est le même prix partout. De toute façon sinon je pense que ça le ferait pas du tout si c'était des prix compétitifs, tout le monde irait dans le truc le moins cher quoi. Donc voilà, on a fait ça. Et là donc on a réservé un restaurant pour demain midi parce que en fait j'ai l'impression que tout va être complet. Là il est 18h, on va essayer de trouver un resto pour ce soir et on va aussi aller à la tour sur la place San Marco pour aller voir le sunset en haut de la tour du coup ce soir. Ça va fermer à 20h45 je crois. Donc on va aller faire ça ce soir. Une pizzeria. Là on va se diriger vers la place San Marco pour aller en haut de la tour. Et donc d'après le gondolier, la ville a été construite il y a 600 ans et les gondoles ont 1000 ans. Et donc du coup toutes les gondoles sont noires. Avant en fait elles étaient toutes les couleurs et plus elles étaient colorées apparemment plus elles étaient riches. Et c'est vrai que les petites rues comme ça nous a un peu pensé au lac italien où on a été cet été. Le lac de Garde, le lac Majeur, le lac de Côme, parce qu'en fait c'était vraiment un peu pareil, surtout sur les îles Borromée au lac Majeur. C'était des petites îles aussi comme ça, il y avait pas mal de maisons sur l'eau comme ça, donc ça m'a fait un peu penser à cet endroit. Du coup avec la gondole on est passé à côté d'un quartier privé, donc c'était hyper calme par rapport à en fait, toutes les rues touristiques, donc c'était assez cool. Thank you.
été voir le sunset à la campanile de San Marco, donc c'est sur la place principale San Marco. C'était hyper beau, c'est 10€ l'entrée. Prenez vos billets en bas du campanile parce qu'en fait sinon c'est 12€ sur internet. Donc en haut du campanile on voit toute la ville de Venise et on voit même les petites îles en fait à côté aussi. On voit aussi les avant Catherix. Voilà. Vous voulez vous rajouter un mot? On va aller manger une pizza et on va se régaler. Ouais. Sinon le soir il fait assez froid, là il faisait super chaud dès qu'on est arrivé à 15h. On était en short et tout, et là par contre il fait assez froid donc j'ai remis ma polaire, j'ai un pull en dessous, Bastien pareil il a mis sa polaire et on a remis nos pantalons parce que on était en short tout à l'heure, il faisait vraiment super super chaud, mais là il fait assez froid, il y a pas mal de vent en fait donc c'est pour ça. Donc voilà, bon après on est au mois de mai, on est le 12 mai donc peut-être qu'on n'est pas en pleine saison, je pense qu'il fait très chaud l'été, donc voilà, faut quand même penser à prendre des vêtements si vous venez hors saison. Voilà, donc là on va aller manger, je pense que je prends un truc à la mozza, genre un truc bien italien là, j'ai faim de mozza ouais. Allez, à toutes. Petit tour du matin, là il est 7h45 et on est sur le pont Rialto, donc c'est un des ponts les plus connus de Venise. En fait on a une vue hyper belle sur tous les bateaux qui arrivent le matin à provisionner les hôtels ou les restos. Là on est passé dans une boulangerie pour acheter des cannolos fourrés au tiramisu et au chocolat. En fait c'est une espèce de cornet avec du coup tout à l'intérieur du chocolat ou du tiramisu. Et là on voit en fait, je vais vous montrer. Donc là on est à côté du Airbnb et en fait tous les camions verts qu'on voit là, c'est des camions poubelles. Bon et sinon Bastien s'est renseigné sur pourquoi il y avait plein de chats parce qu'en fait il y a plein de cartes postales ou de tabliers ou des torchons avec des chats dessus. Et en fait quand Venise a été construit, d'ailleurs toujours maintenant, les chats servaient en fait de protection pour les habitants des rats en fait qui sortaient des canaux. Et dans la librairie Ago Alta où on était hier, donc il y a plein de livres en fait qui sont sur des pirogues et il y a deux chats à la caisse. Bon sinon on est bien content de ne pas avoir pris de valise parce qu'il y a énormément de ponts, comme je disais hier, il y a 400 ponts qui relient les 120 îles de Venise. Et pareil, ceux qui ont des poussettes, c'est la galère Albert. Sinon on a trouvé qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous accostent pour les gondoles ou même les restos et tout ça. Alors, on pensait vraiment qu'on allait être complètement visé pour ce genre d'activité. Ils sont hyper respectueux de ça donc c'est super agréable. On a fait deux restos, on a fait hier une pizzeria et ce midi on a mangé des pâtes. C'était super bon, on a pris des bons restos. Enfin Bastien il a bien choisi encore une fois, de toute façon chaque fois c'est lui qui choisit les restos et c'est super bien. Là c'est un peu bruyant parce que c'est vraiment, il y a la gare de train qui est juste à côté et la gare routière qui est juste par là-bas. Et les bateaux qui passent derrière, donc c'est assez bruyant, il y a beaucoup de monde, mais voilà, donc là c'est vraiment le coin où il y a tous les touristes qui se croisent. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, c'était une petite vidéo assez courte puisqu'on est parti que deux jours. En tout cas toutes les infos seront sur mon blog myvoyage.com, je mettrai toutes les infos même du Airbnb si jamais ça peut intéresser. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram myvoyage8 puisque je mettrai aussi des stories à la une et des petits posts Instagram etc. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment super bien, on a eu un beau temps, il faisait super chaud. Et puis voilà, là on va rentrer sur Nantes et on arrive ce soir à 20h30, donc voilà.